Bonjour tout le monde, bienvenue à cette réunion en ligne du Carrefour Chrétien de la Capitale. J'espère que vous allez bien. J'espère que chez vous, tout le monde est en bonne santé, tout le monde est en forme pour une journée vraiment super de ce dimanche. Et justement, on a quelque chose de spécial parce que avec la réunion en ligne, on va être ensemble jusqu'à à peu près quoi, 11h15 dans ce coin-là. Et puis, tous sont conviés à 13h sur le terrain du stationnement de nos voisins de notre future église. Notre future église va être au 10-15 rue des Gadelles. Et puis là, ça, c'est une rue qui est perpendiculaire à Pierre-Bertrand, non loin du 900 Le Bourgneuf. Mais tout ça pour dire que vous avez rendez-vous au sommet de la colline. Pourquoi? En fait, on veut rassembler, on veut se voir, on veut être ensemble. Et bien entendu, à travers cette rencontre-là, vous allez pouvoir stationner votre voiture dans le stationnement de nos voisins. On a eu la permission de le faire chez Mika. Et puis ensuite de ça, on a un programme, on a des belles surprises pour vous, différentes stations qui vont être là. Vous aurez l'opportunité également de jaser avec du monde, de connecter à 2 mètres de distance. Et bien entendu, on veut respecter ces mesures de distanciation-là, être un bon témoignage autant pour notre ville que pour justement les voisins qui acceptent qu'on puisse être sur leur terrain pour se rassembler. Alors, c'est un rendez-vous au sommet. 13 heures, vous pouvez venir avec la famille. Et puis, bref, on a vraiment hâte de se voir. La semaine dernière, à notre pique-nique, on était plus de 140 présents dans un grand parc. Et puis, on a passé vraiment du bon temps ensemble. Et on sait que ça va être encore un bon temps aujourd'hui à 13 heures au 10-15 des Gadelles. Alors, manquez pas ça. On va passer un bon temps, tout le monde ensemble. Je veux mentionner que cette semaine, il y aura un atelier ensemble à son écoute avec Pasteur Dominique. C'est mercredi 19h dans la lettre de nouvelles sur Facebook. Vous avez les liens pour vous y rendre. Je sais que vous allez être bénis. Et peut-être juste prendre une petite note. On avait annoncé qu'il y aurait peut-être une rencontre de prière cette même date-là. Je crois que c'est le 26. Oui, c'est ça, le 26, il y avait une rencontre de prière. On va juste la reporter un petit peu plus tard et on vous recommuniquera les dates à ce moment-là pour la rencontre de prière pour la rentrée. Mais ensemble à son écoute, ça a lieu ce mercredi. Dernière annonce que je veux faire avant qu'on puisse passer à notre réunion, c'est mentionner aux parents que oui, il y aura surprise pour vos enfants au rendez-vous au sommet, mais non seulement ça, c'est qu'il y a une capsule qui a été préparée pour vos enfants, pour les enfants du préscolaire, de Carrefour Junior. C'est disponible sur notre chaîne YouTube, c'est disponible également sur un groupe Facebook, parents du préscolaire et du Carrefour Junior. Et je sais que vous serez largement bénis, vos enfants vont être encouragés. Et puis, bref, on vous encourage à la consulter après la réunion ou après le rendez-vous au sommet, dépendamment de ce que vous prévoyez de faire. À ce moment-ci, j'aimerais ça qu'on puisse prier. On aura la louange avec Erika, toute son équipe. On va avoir un message avec Pasteur Paul également, qui sera justement être d'actualité avec tout ce qui se passe présentement. Alors, est-ce qu'on peut prier ensemble? Alors, je vous invite à la maison à courber votre tête, fermer vos yeux, et puis on va juste se préparer dans la prière à cette réunion d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être ensemble. Merci Seigneur de cette grâce de faire partie de la famille de Dieu, de faire partie de cette famille du Carrefour chrétien de la capitale, Seigneur, qui continue d'avancer contre vents et marées, contre toutes sortes de circonstances qui arrivent. Mais Seigneur Jésus, merci de nous faire progresser de gloire en gloire. Merci Seigneur d'unir nos liens. Merci parce qu'on peut se rassembler cet après-midi. Et Jésus, on veut te remettre nos vies entre tes mains. On veut te remettre nos circonstances entre tes mains. Et Seigneur Jésus, on te demande que cette réunion, Seigneur, ne soit pas juste comme une réunion banale, mais au contraire, soit une rencontre avec toi. Qu'à travers des paroles qui vont être prononcées, tu puisses parler dans nos vies. Qu'à travers des chants qu'on va chanter, Seigneur, que ça puisse être la paix et le réconfort dont on a besoin. Qu'à travers, Seigneur, tout ce qui va être dit et fait, Seigneur, ton nom puisse être glorifié. Et Jésus, merci Seigneur d'être dans nos vies, merci d'être notre Seigneur, merci d'être notre Sauveur, merci d'être l'ancre sur laquelle nous nous appuyons jour après jour.
Et Seigneur, c'est tellement bon d'être avec toi. Alors Jésus, bénis chacun et vraiment que toutes les familles, Seigneur, qui se connectent sur Facebook, sur YouTube, en live ou en différé, Seigneur, puisses-tu bénir chacun dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde qui est d'accord, dise un grand Amen. Alors, je cède maintenant le micro, la parole et le chant à Erika et toute son équipe. Et puis, on se revoit tout à l'heure, 13h, rendez-vous au sommet. Manquez pas ça. Bonne réunion, tout le monde. Bon matin à tous. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Et c'est la phrase qui résonnait sur mon cœur pour ce temps de louange ce matin. Et c'est ce qu'on va chanter dans ce chant qui dit « Maranatha, viens Seigneur, viens », qu'on puisse vraiment expérimenter la joie dans sa présence et dans la louange. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies. Au grand jour de l'éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend nous avec toi. Je lève les yeux vers les montagnes. Vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, maison du Seigneur, car nos peines sont finies au grand jour de l'éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend nous avec toi. Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend nous avec toi. Et là où tu es, on prend nous avec toi. Et là où tu es, on prend nous avec toi. Amen. Quel chant de réjouissance. On est libre en Jésus. En toi le
Merci Seigneur pour cette liberté qu'on a en ta présence. Et comme on vient de chanter, merci pour tous les miracles qui sont possibles en ta présence, Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je lève les yeux, je lève les yeux vers le ciel. Là est la liberté. Je lève les yeux vers le ciel. Là est la liberté. Jésus règne en ce lieu, car l'appui de sa grâce descend par. Lorsque je suis épuisée, lorsque je suis épuisée, cherchant la liberté, lorsque je suis assoiffée, lorsque je suis assoiffée, cherchant la liberté, on remet tout à Jésus. Je remets tout à Jésus. Là est la liberté. Je remets tout. Je remets tout à Jésus. Là est la liberté. Déclarons que Jésus règne là où on est.
Pour cette liberté que tu nous permets, Jésus. Merci pour toutes ces chaînes que tu délies en ta présence, Seigneur. Il n'y a plus rien d'autre qui peut avoir du pouvoir ou de l'emprise sur nous que toi. On veut tout te remettre, Seigneur. Seigneur, rien n'a plus d'importance que ta présence dans nos vies. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, sois sois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande. Élevons nos voix. Qu'on chante ce chant comme une offrande à Dieu, qu'on puisse s'examiner, réfléchir à quelle autre offrande on veut offrir à Dieu. Est-ce qu'on veut lui offrir une offrande de louange, une offrande financière, matérielle, peut-être même relationnelle, mais que vraiment on puisse examiner nos cœurs et qu'on puisse laisser Dieu nous montrer ce qu'on doit lui donner comme offrande. Seigneur, on veut être à l'écoute de ta voix, on veut faire ta volonté. Seigneur, on veut que rien d'autre prenne la place dans nos vies que toi. On veut te célébrer pour qui tu es, Jésus. On veut te donner toute la gloire qui te revient. Que
mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Chantons, Dieu, tu es. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Encore une fois, déclarons-le. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, comme Dieu est bon, hein? Bon en tout temps et bon pour nous. Et puis, je veux juste remercier les musiciens pour ce temps de louange qu'on a passé ensemble ce matin. Et après la louange, bien, on fait avancer les placeurs parce qu'on va recevoir notre offrande ce matin. Et puis, on va le faire de façon virtuelle, bien sûr. J'aimerais simplement le faire en vous rappelant qu'il y a trois façons de donner. Donc, soit par chèque d'abord, et puis de façon assez surprenante, il y a encore plusieurs personnes qui le font par chèque, bien sûr, en l'envoyant par la poste. Et en le postant au 5055 Boulevard Wilfrid Amel Ouest, suite 225, Québec, Québec, G2E2G6. C'est encore notre adresse opérationnelle qui va le rester encore pour quelques temps.
quelques semaines encore. Soyez attentifs, on vous dira dès qu'on fera le changement pour le 10-15 rue des Gadelles. Mais pour ce qui est de cette semaine encore, c'est bien sûr au 50-55 boulevard Wilfrid Hamel Ouest. Alors donc, on peut le faire. Donc, notre contribution, notre don, payer nos dîmes, nos offrandes par chèque. On peut le faire par PayPal également aussi. Pour cela, il faut voir l'onglet, cliquer sur l'onglet dans le fond sur le site ou sur notre page Facebook, il y aura des instructions à ce sujet. Il est finalement possible, troisièmement, de le faire par virement bancaire en suivant les instructions que vous trouverez en cherchant, soit sur la page Facebook ou soit sur le site Internet. Vous trouverez les instructions-là, comment le faire par virement bancaire. Et c'est la façon dont la majorité d'entre nous le fait. Et puis, on vous remercie, chacun et chacune d'entre vous. Je ne veux pas juste le faire banalement, je veux simplement vous regarder dans les yeux et vous dire merci beaucoup pour votre générosité. C'est grandement apprécié et ça nous permet de pouvoir continuer à exercer le ministère et continuer à offrir un service d'encadrement spirituel le mieux qu'on peut dans la situation dans laquelle nous sommes, mais en travaillant pour améliorer cela dans l'avenir également aussi. Parlant d'améliorer les choses dans l'avenir, ce matin, j'aimerais parler sur le sujet du masque. Oh non, on ne parlera pas encore du masque un matin. Ben oui, mais on va parler avec une perspective chrétienne. C'est-à-dire quatre raisons pour lesquelles on devrait porter le masque, même si j'aime pas ça. Pourquoi qu'on n'aime pas ça? Bien, si vous portez des verres correcteurs, vous aurez très rapidement compris que c'est parce que des masques, ça fait de la buée dans les lunettes. On ne voit pas bien comme il faut. Les masques, j'aime pas ça parce que c'est pas confortable, c'est-à-dire que on respire pas bien dedans, c'est chaud, on sait plus de quelle manière qu'on envoie, qu'on expire pour pas qu'il y ait, éviter bien sûr la buée dans les lunettes. C'est inconfortable. Le masque, l'autre chose aussi, c'est que ça atténue la qualité sonore. Je n'entends pas aussi bien les gens qui parlent à travers un masque. De plus, je ne suis pas capable de lire sur les lèvres pour compléter l'information que mes oreilles n'ont pas perçue. Des fois, mes yeux sont capables de le voir. Les communications sont beaucoup plus limitées de cette façon-là avec le port d'un masque. Lorsque quelqu'un porte un masque, bien, je ne vois pas les expressions faciales lorsqu'il s'adresse à moi qui viennent compléter de l'information que je reçois par la communication que j'ai avec la personne. J'ai de la difficulté à reconnaître les gens à travers le masque. De toute façon, il n'y a pas aucun masque qui est ajusté à 100% pour nous. Aucun. Je ne devrais peut-être pas dire ça. Il y a peut-être des firmes spécialisées qui prennent un moule du visage et qui sont capables de faire des masques vraiment bien adaptés. Mais disons que la très grande majorité que nous utilisons, vous et moi, ne sont pas si bien ajustés que ça. De plus, c'est difficile à porter un masque avec des aides auditives pour ceux qui ont besoin de ce genre de choses-là, comme j'en connais quelques-uns. C'est pas possible de porter les aides auditives en même temps que le masque. Alors, ou bien on est sécuritaire, ou bien on écoute comme il faut, ou bien on essaye de faire le mieux qu'on peut avec les deux, mais c'est pas évident. La chose principale, une des choses également aussi avec le masque, c'est que c'est un rappel continuel, visible, de la réalité décourageante que la COVID-19 est encore là. Partout, on voit des gens avec des masques. C'est un rappel que le monde qu'on connaissait en hiver 2020, en février, début mars, est passé depuis longtemps. Je porte un masque maintenant lorsque je vais à la banque. C'était les Dalton qui portaient un masque avant d'entrer dans une banque. C'était les méchants, les gens qui s'apprêtaient à faire des méfaits. Mais maintenant, non, pour être sécuritaire, il faut porter un masque avant d'aller à la banque. Il y a quelques mois, il y avait un grand débat social au Québec sur l'importance de recevoir ou de donner des services gouvernementaux à visage découvert. Ben oui. Puis le consensus était venu, c'est sûr qu'au Québec, ce qu'on veut, c'est qu'on soit capable de donner des services gouvernementaux ou recevoir des services gouvernementaux sans couverture pour le visage. Ça semble être dans un siècle passé maintenant que tout le monde doit vraiment porter le masque. Le masque, c'est absolument là, c'est nécessaire. Puis il y a tout un débat, un débat qui est suscité par « j'ai le droit de ne pas le porter, j'ai le droit de le porter, et puis c'est important pour la santé publique, puis non, c'est pas si important que ça pour la santé publique ». Écoutez, au-delà des inconvénients qu'il y a à porter le masque, moi, j'aimerais juste vous dire pour quelles raisons
je vais porter un masque et je vais encourager les personnes à porter les masques aussi, même si je n'aime pas ça. Pour les chrétiens, dans le fond, c'est important de s'élever au-dessus du débat qu'il peut y avoir, de la recherche d'informations la plus pointue possible pour donner la pure vérité à ce sujet-là. Pour nous autres, les croyants, c'est important de s'élever au-dessus de ce débat-là et réfléchir, dans le fond, qu'est-ce que notre foi nous amène à agir? De quelle manière qu'on devrait agir? Qu'est-ce que la foi nous appelle à faire dans une situation comme ça? Quand on regarde les Écritures, c'est sûr qu'on ne voit pas un mandat sur l'importance de porter un masque. Hein? Il n'y a pas question de masque dans les Écritures. Mais nous voyons, par contre, une invitation à faire au moins quatre choses. Et c'est quatre choses-là que j'aimerais parler ce matin. Quatre raisons pour lesquelles je devrais porter un masque, même si je n'aime pas ça. Premièrement, parce que je devrais aimer mon prochain. Voyez-vous, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 36, il y a cette personne ici qui s'approche de Jésus puis qui veut lui tendre un piège et qui lui dit « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Alors Jésus lui répond, verset 37, « Bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est là le commandement le plus important et le plus grand. Il y a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce que Jésus nous instruit qu'on devrait faire. Voilà ce qui est les choses essentielles, le cœur même. De servir Dieu, de aimer Dieu, de chercher à être un disciple de Jésus. Aimer Dieu et aimer les autres, aimer le prochain. Aimer Dieu et aimer le prochain. C'est frustrant parfois quand il y a de la confusion dans la communication qu'on reçoit des autorités scientifiques sur l'utilité ou le danger qu'il y a de porter le masque. Il semble y avoir de la confusion là-dedans. La direction a changé en cours de route. Il y a eu un virement de situation. Vous vous souviendrez qu'au début de la situation avec le coronavirus, comme on l'appelait à l'époque, la santé publique nous demandait de ne pas porter de masque parce que ça pourrait être dangereux, parce que de la façon dont on le met, on l'enlève, on pourrait peut-être être plus un vecteur et avoir une fausse protection de moins se laver les mains, moins distancier. Et puis, donc c'est ça. Mais finalement, oups, ça a changé. Puis maintenant, pourquoi tout ça? Parce que c'est un virus tout neuf. Hein? On découvre qu'est-ce que c'est, la façon dont il se répand et la façon dont il interagit. Et puis c'est une crise, dans le fond, qui se développe rapidement aussi. Mais il y a quand même un consensus scientifique qui se développe sur le fait que le port du masque semble ralentir la propagation du virus et peut sauver des vies. Alors, juste sur cette base-là, si on veut agir selon le cœur de l'Écriture, aimer son prochain comme soi-même, en même temps qu'on aime Dieu de tout notre cœur, avec toute la passion et avec toute l'ardeur qu'on ressent dans notre cœur, ça c'est la relation verticale, mais la relation horizontale avec le prochain. Si on veut l'exprimer, c'est important que dans le fond, s'il y a un consensus qui est là, que ça peut ralentir, ça vaudrait la peine de le considérer, surtout quand on est croyant. Pour un chrétien qui veut aimer son prochain, de porter un masque en public, ça semble être quelque chose qui n'est pas si difficile que ça à faire pour pratiquer d'une façon concrète l'amour pour mon prochain. Même si ça me dérange d'en porter un, même si je ne suis pas nécessairement convaincu de l'utilité d'en porter un, pourquoi ne pas en porter un de toute façon? Si c'est incertain, comment que tout ça va se développer et quelle est l'utilité ou non. Si on est pour se tromper à quelque part, est-ce qu'on ne devrait pas se tromper en cherchant à être plus sécuritaire plutôt que plus téméraire? Bien sûr qu'on devrait faire ça. Et on devrait le faire pour le plus grand bien de notre prochain. Alors, une première raison pour laquelle je devrais porter un masque lorsque je vais dans des lieux publics, c'est par amour pour le prochain. J'aime mon prochain. Ça serait une bonne idée peut-être d'avoir un masque qui se serait écrit dessus « J'aime mon prochain ». Ça l'enverrait peut-être un message avec ça. En tout cas, on verra où est-ce qu'on se rendra avec tout ça éventuellement. La deuxième raison pour laquelle dans les Écritures on voit qu'on devrait porter un masque, c'est par respect des autorités, pour respecter les autorités. Voyez-vous, c'est facile de blâmer, c'est facile de tirer la pierre, c'est facile de blâmer les dirigeants lorsqu'ils font des erreurs.
Et savez-vous quoi? C'est des êtres humains. Et des êtres humains, c'est capable de faire des erreurs. C'est pas juste capable. Ça en fait des erreurs aussi régulièrement en cours de route. Même s'ils font des erreurs, même s'ils se mêlent, même s'ils se sont mélangés, est-ce qu'on pourrait pas démontrer un petit peu de grâce? Si on était dans les bottines, de quelle manière qu'est-ce que nous, on agirait? Si on vivrait la pression qu'il y a avec tout cela, est-ce qu'on ferait toujours des bons choix qui sont si éclairés que ça? Au lieu d'être rapide à vouloir critiquer nos dirigeants, est-ce qu'on ne devrait pas leur donner peut-être un petit peu le bénéfice du doute et de chercher à les honorer et à respecter leur autorité en croyant, dans le fond, qu'ils travaillent fort, qu'ils font de leur mieux pour être capables d'agir et d'interagir d'une façon qui est bonne et en prenant les bonnes décisions? À ce sujet-là, l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 13, verset 1, que tout homme se soumette aux autorités supérieures. Alors, c'est clair, hein? Que tout homme, et particulièrement nous les croyants qui sommes inspirés par la vérité de la parole de Dieu, que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Voyez-vous, c'est plus qu'une question de « c'est son opinion, il n'y a pas toute l'information » ou « c'est plus qu'une question de ça, c'est une question que « est-ce que je respecte Dieu à travers ça? » Dieu qui a établi des autorités dans le monde pour diriger. Celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se sont attirés. Verset 3, car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité? Fais le bien et l'autorité t'approuvera, car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi, verset 5, voici, hein, il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. Je devrais donc obéir et porter un masque, non seulement parce que j'ai peur d'attraper une amende, puis c'est pas banal si c'est 1000 ou 6000 $, quelque chose comme ça, mais au-delà de tout cela, je devrais respecter, dans le fond, l'autorité humaine, l'autorité qui a été établie par Dieu. Aussi longtemps que l'autorité ne me demande pas de faire des choses qui sont contraires à la loi de Dieu. Mais elle ne me donne pas. Les autorités ici ne nous dirigent pas à désobéir à la loi de Dieu. Elles laissent la liberté de faire toutes sortes de choses qui pourraient être contre des principes de Dieu, bien sûr. Mais elles ne nous forcent pas à désobéir à Dieu. Et pour cette raison-là, on devrait continuer à se soumettre à l'autorité, à respecter l'autorité. Donc, on devrait porter le masque parce qu'on aime notre prochain. On devrait porter le masque parce qu'on veut respecter l'autorité établie par Dieu. Lorsque vient le temps de porter le masque pour un croyant, est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement obéir à ces directives-là qui sont données? Troisièmement, on devrait le faire également pour honorer la personne qui est mal affirmée ou la personne qui est le faible parmi nous. Voyez-vous, on n'a pas tous la même opinion. Et c'est la vérité qu'on voit également aussi dans les Écritures. L'apôtre Paul s'adresse et fait face à une situation comme ça avec les Romains. Et dans le chapitre 14 de Romains, il parle de cela. Comment est-ce qu'on devrait soutenir les faibles? Les faibles. Paul parle dans le fond des problèmes très concrets qui touchaient les gens dans l'Église de Rome. Il y avait certains croyants mal affermis dans la foi, ceux qu'on appelle ici dans Romains 14 les faibles, pensaient devoir se soumettre aux exigences rituelles héritées du judaïsme qui étaient relatives aux aliments ou aux jours spéciaux. C'est-à-dire que ces chrétiens-là avaient tendance à juger ceux qui pensaient différemment, ceux qui ne respectaient pas les ordonnances qu'on voit dans l'Ancien Testament. Alors, il y avait ce groupe-là. Et ce groupe-là avait tendance à juger ceux qui ne se soumettaient pas, qui obéissaient pas aux directives qu'eux croyaient qui étaient importantes. Il y avait un autre groupe, d'autres qui étaient plus affirmés dans la foi, les forts, comme Paul les appelle ici, qui avaient compris qu'en Christ, il n'y avait plus à respecter des exigences comme cela, et qui se souciaient pas du tout des scrupules des faibles, témoignaient en fait peu d'amour à leur égard et se rendaient coupables de mépris envers eux. Les faibles jugeaient ceux
qui ne vivaient pas selon leurs exigences ou selon leur opinion. Et les forts, eux autres, méprisaient les autres qui s'attachaient encore avec des banalités, des choses qui n'étaient pas d'importance comme ça. Mais dans le fond, la solution que Paul présente ici, puis c'est ce qu'on va lire dans Romains chapitre 14, c'est un accueil. Être capable d'accueillir, de recevoir, de honorer même la personne qui est le faible, comme Dieu lui-même le fait. Dieu nous invite, dans le fond, l'apôtre Paul invite, dans le fond, à ne pas mépriser, et invite les autres à ne pas condamner. Lisons ensemble dans Romains chapitre 14 à partir du verset 1. Il dit « Accueillez celui qui est mal affirmé ou le faible dans la foi, sans vous ériger en juge de ses opinions. Soyez accueillants, gentils, respectueux envers cette personne-là. Ainsi, l'un a la conviction qu'il peut manger de tout. L'autre, qui est mal affirmé dans la foi, ne mange que des légumes. » Oups, ça parle des véganes ici. Non, ce n'était pas ça, c'est la même chose, ce n'était pas le même contexte. Mais quand même ici, ça parle qu'il y en a qui ont la conviction de ne manger que des légumes. « Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui. Et que celui qui mange ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange. » C'est drôle quand même qu'on a cette situation-là aujourd'hui avec les végétariens et les véganes et tout ça. Bon, mais Dieu fait bon accueil à tout le monde. « Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais il tiendra bon car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. » Un peu plus loin, Paul dit dans le verset 10, « Toi, pourquoi condamnes-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu? » Dans le fond, c'est Dieu qui est le juge au bout du compte, car il est écrit, « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou ploiera devant moi, et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Comment je vais avoir agi dans ma propre conscience. Alors, dans le fond ici, l'apôtre Paul dit, « Forcez pas votre conviction sur les autres. Cherchez pas à rentrer votre conviction, à la faire rentrer dans la gorge de tout le monde qui vous entoure. Cherchez pas à persuader tout le monde de vos convictions personnelles. Vous pouvez les garder pour vous-même, vos convictions personnelles. » En fait, c'est ça qui est la meilleure chose à faire. Si on veut rester dans un climat de paix, d'acceptation et de respect mutuel les uns envers les autres. Paul poursuit au verset 13 en disant « Cessons donc de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. » Verset 19 finalement « Cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à faire grandir les autres dans la foi. » L'attitude qu'on devrait avoir face à diverses opinions que les gens pourraient avoir. Et les opinions, lorsqu'on a une opinion, on cherche à trouver des appuis à gauche et à droite et on va trouver toutes sortes d'experts qui vont venir nous conforter dans la position que nous avons appris. Mais rappelons-nous, mes amis, que dans l'Église de Jésus-Christ, que dans le corps de Jésus, que dans l'Église, il devrait y avoir un sentiment d'acceptation, de respect mutuel, d'honneur mutuel, même si on n'est pas d'accord sur je devrais donc porter un masque en public. Je porterai un masque en public. Je porte un masque en public parce que j'aime mon prochain, parce que je veux respecter les autorités et trois, parce que je veux honorer les faibles ou les mal affirmés parmi nous. Et les mal affirmés, on pourrait inclure aussi des gens qui ont des difficultés de santé, des gens qui ont des problèmes respiratoires, des gens qui ont des problèmes d'immunité, des gens qui ont été peut-être opérés et dont le système immunitaire a été affaibli, qui sont beaucoup plus vulnérables qu'une personne en pleine santé. La terre, les gens qui nous entourent, l'Église n'est pas remplie que de personnes en bonne santé. Il y a des gens qui sont beaucoup plus vulnérables. Et si on a un tout petit peu d'amour pour ces gens-là, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un petit peu de respect et de compréhension pour leur situation et de chercher à les honorer et à ce qu'ils se sentent bien et en sécurité lorsqu'ils vont vouloir revenir à l'Église? Bien sûr qu'on devrait le faire. Une quatrième raison pour laquelle on devrait porter le masque, même si on n'aime pas ça, c'est d'être capable de s'élever et d'utiliser la liberté qu'on a pour la cause de l'Évangile.
Voyez-vous, ceux qui s'opposent au port du masque, un groupe qui s'oppose au port du masque, dit que c'est parce que c'est une attaque à ma liberté. J'ai le droit de choisir pour moi. J'ai le droit de choisir la couleur de cheveux que je vais porter, la barbe que je porterai ou que je ne porterai pas. J'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit de faire cela. Et la liberté, on devrait se battre pour la liberté. Je ne suis pas un mouton, je ne cherche pas à me soumettre à tout puis à n'importe quoi qui va me dire n'importe quoi, je vais me battre pour ma liberté. C'est ça le message. Parce que l'idée derrière ça, c'est que le gouvernement nous manipule, hein, que le gouvernement veut absolument nous contrôler. Et puis, on a peur de se faire avoir à travers ça. Ça augmente, dans le fond, un sentiment de peur et d'inquiétude parmi les gens. Savez-vous qu'est-ce que l'apôtre Paul disait de sa liberté? La liberté que j'ai, il dit, je la mets au service de l'Évangile. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 19, nous lisons, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me fais l'esclave de tous afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. » Paul dit, même si je suis un homme libre, et je suis un homme qui est capable de penser, et je suis libre à l'égard de tous, mais je veux toutefois, dans mes relations avec les autres, m'assurer que je ne fais rien qui va venir être un obstacle à la foi ou à ce qu'une personne puisse se tourner vers l'Évangile. Paul poursuit au verset 23 du même chapitre 9 de 1 Corinthiens en disant, « Or, tout cela, je le fais pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. » C'est-à-dire, je vais choisir de me mettre au service des autres, d'être l'esclave des autres ici. Pourquoi? De le faire au nom de l'Évangile. Pour ne pas être un obstacle à l'Évangile, ne pas être un obstacle à ce que l'autre puisse se tourner vers le Sauveur. Peu de choses sont plus belles à voir que quelqu'un qui est prêt à abandonner ses droits pour ses droits et sa liberté pour le bien de l'autre, d'un autre. Voyez-vous, il y a beaucoup en jeu pour nous les chrétiens dans cette situation de la COVID-19. Est-ce qu'on veut être perçu par le monde non-croyant comme étant des gens qui sont des super distributeurs de virus parce qu'on a absolument insisté que puisqu'on avait la liberté de se réunir, on s'est réunis quand même, puis tant pis pour la distanciation sociale, nous on va louer l'Éternel, puis on va le faire avec une grande liberté. Et si on le fait comme ça, en méprisant les règles de sécurité, de santé et tout ça, on peut devenir un vecteur de se répandre abondamment. Puis il y a des groupes de croyants qui ont été justement visés et ciblés comme étant un foyer principal d'avoir répandu la COVID. Et ce n'est pas une bonne chose. On ne veut pas être ça. On ne veut pas être un élément de problème pour notre société. On veut plutôt être un élément de solution. Parce que nous savons qu'en Jésus, nous avons la solution, la paix pour leur cœur, la bonne relation les uns avec les autres, être capable d'avoir une attitude confiante vis-à-vis l'avenir, c'est dans la foi en Jésus-Christ qu'on est capable de trouver cela. Alors, cherchons pas à être un vecteur de contamination, mais plutôt un vecteur de bénédiction. Alors, il y a beaucoup en jeu. On ne veut pas, parce qu'on a la liberté de se réunir, être capable de se réunir sans égard à la distanciation sociale et tout ça, et puis toutes les règles qui peuvent être posées, et finalement devenir un vecteur de propagation de la maladie. Non! On veut plutôt être ceux qui vont considérer la santé de la communauté en général, de la ville en général, du Québec, du Canada, du monde. Est-ce qu'on veut plutôt que les chrétiens soient vus comme des gens qui insistaient absolument à ce que leurs droits soient respectés et qui poursuivaient même le gouvernement, qui les limitaient dans ces droits-là? Ou est-ce que plutôt on va choisir la liberté ici de l'apôtre Paul? J'ai la liberté, mais je vais choisir de me rendre serviteur pour le plus grand bien des autres. Regarde, pour la société en général, c'est beaucoup mieux de porter un masque parce qu'on dit, le consensus semble avoir été fait, que ça va se répandre moins vite. Alors donc, faisons-le. En se faisant serviteur de tous, en abandonnant nos libertés, est-ce qu'on ne demande pas plutôt un amour pour notre prochain comme Christ veut que nous ayons? Bien oui. Vous avez le problème qu'on peut avoir, les désagréments qu'on peut avoir à porter un masque, si ça l'aide à sauver des vies. Et ça l'aide non seulement à sauver des vies, mais à sauver des âmes, à cause de l'attitude qu'on pourrait avoir. Est-ce que dans le fond, ça n'en aurait pas valu la peine? On devrait continuer à réfléchir là-dessus. Quatre raisons pourquoi
je devrais porter un masque, même si je n'aime pas ça. Et j'inviterai Christian à venir à se préparer à ce moment-ci pour un chant que nous allons faire à la fin de ce message. Et les quatre raisons, c'est simplement parce que je veux aimer mon prochain, parce que je suis prêt à respecter les autorités, parce que je veux honorer le mal affirmé ou le faible ou celui qui est d'opinion différente que moi. Et quatrièmement, parce que je suis prêt à utiliser ma liberté pour la cause de l'Évangile, pour le plus grand bien de l'Évangile de Jésus-Christ. Dans le fond, lorsqu'on va se réunir à nouveau, on va vouloir le faire. Et le but que nous aurons, c'est de fournir un environnement sécuritaire pour tous ceux qui aimeraient venir aux réunions. Chacun portera un masque, en commençant par le pasteur, bien sûr, l'équipe pastorale, le personnel, chacun qui est impliqué. On va le faire parce qu'on est prêt à aimer notre prochain. Et dans le fond, la loi de l'amour est démontrée en mettant de côté nos opinions, nos préférences personnelles pour le plus grand bien de l'autre. Le but, dans le fond, le but le plus grand, c'est la qualité de l'accueil en toute sécurité et non pas qui a raison dans tout cela. La position à prendre comme chrétien, de mettre les besoins de l'autre en avant des nôtres, c'est ce qui distingue le christianisme, les véritables disciples de Jésus et qui fait qu'ils sont uniques. C'est la marque caractéristique de la foi d'être prêt à se mettre de côté pour le plus grand bien de l'autre. Christ a donné sa vie pour notre bien. Est-ce qu'on ne devrait pas, nous aussi, mettre des choses de côté pour le plus grand bien des autres qui sont autour de nous, des frères et des sœurs dans la foi, mais des autres personnes qui sont autour de nous aussi? Si ça va peut-être ralentir la propagation, pourquoi pas? De toute façon, c'est temporaire. C'est sûr que ça ne durera pas toujours. Ah, ça fait déjà plus de 5 mois que ça dure. C'est pas terminé encore. On a encore du chemin à faire. Mais on sait que ça se terminera un jour. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste louer le Seigneur ensemble ce matin, alors que nous réfléchissons à ces 4 bonnes raisons que nous avons de porter un masque? Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je me prosterne et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je te célèbre, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable, Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi.
Oui, je me prosterne et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oh Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oh Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons aujourd'hui parce que tu es grand et tu es bon, Seigneur. Et tu es fidèle et tu manifestes ta fidélité, ta grandeur, la générosité de ton cœur encore et encore. Je vais te prier ce matin, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, que tu puisses juste venir nous entourer de ta grâce à nouveau aujourd'hui, nous faire comprendre la grandeur de ta grâce, de ton amour, de ta fidélité envers chacun de nous. Puisses-tu nous conduire en toute sécurité dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Aide-nous à être des vecteurs de bénédiction et non pas de malédiction. Aide-nous à transmettre la santé et non pas la maladie. Aide-nous à être des exemples de gens qui sont fidèles à Jésus, qui veulent marcher comme Jésus, qui veulent marcher à l'exemple de Jésus. Glorifie ton nom dans chacune de nos vies. Nous te remercions, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et amen. Alors, chers frères et sœurs, je vous souhaite une belle journée dans le Seigneur. Je vous rappelle qu'on se réunit dans quelques minutes, mais dans une couple d'heures, à 13h, donc au 10-15 Dégadel, pour un rendez-vous au sommet et un bon temps qu'on va passer ensemble. Que l'Éternel vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Au plaisir de vous revoir.